rentrée scolaire 2012 à 2013, c'est dans quelques heures. Des milliers d'enfants à travers la République sont bien évidemment heureux et impatients que les choses commencent. Leurs parents le sont un peu moins. Ils vivent ce moment avec angoisse et parfois colère. Ils ont de ce fait beaucoup de questions dont ils cherchent la réponse grâce au concours de Télé 50, de la RTNC et d'autres chaînes qui vont diffuser et rediffuser cette émission. Vous avez la chance de suivre en ce moment une confrontation inédite entre la population congolaise et le ministre qui a en charge l'enseignement primaire et secondaire. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chez vous Son Excellence, Monsieur Makair Mwangu Fwamba. D'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vous êtes très sollicité en ce moment par les journalistes. Mais moi, j'ai voulu vous mettre en face des parents d'élèves et des élèves qui affichent un certain nombre d'inquiétudes qui les perturbent en ce moment quant à leur propre avenir ou à l'avenir de leurs enfants. Alors, ce studio de la RTNC ne pouvant pas contenir tout le monde, vous avez ici à vous un panel de 100 Congolais. Alors ces Congolais sont issus de toutes les couches sociales, un panel représentatif bien évidemment de l'ensemble de la population congolaise. Alors des questions vous seront posées en français, en lingala, en swahili, en kiluba, et avec une certaine liberté de ton. Avez-vous des objections là-dessus? Non, je n'ai pas d'objection. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est que je ne suis pas venu assister à une confrontation. C'est un dialogue, c'est des échanges. Donc ils peuvent aussi, de la salle, nous proposer des choses que nous allons prendre et voir dans quelle mesure nous pouvons aussi améliorer notre gestion du système. Voilà ce que je peux dire. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de votre cabinet et surtout de Madame vice-ministre de l'EPSP, Son Excellence Madame Maggie Rouakabouba, que je salue bien évidemment, qui est dans la salle. La voici, la voilà. Alors, je ne vais pas poser beaucoup de questions, comme c'est une confrontation. Alors, je vais commencer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, parce qu'on a bien préparé l'émission avec le public qui est là. On va aller dans l'ordre. On va parler, bien sûr, pour commencer d'abord, de la date de la rentrée. Alors, beaucoup de questions ont été enregistrées sur ce thème. Nous commençons par Madame Angélique Senga, qui nous vient de la commune de Kitambo, et qui est assise là, au milieu, deuxième rangée. Madame, levez-vous, posez votre question à Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPSP. Allez-y, madame. Merci pour la parole. Ngai komola maman Saint Angélique. Malina le wapon à la rentrée, il y a les poids pour la classe à ban. Dans le biboui, tout ça, c'est l'inscription. Pourquoi il y a la classe? Balobi que avant moi na banda classe de 3 fois pesa à compte à $100 ba $90. Alors biso apparato za mbote bongo ezate, est-ce que lokolo to pesa mbongo na te, puisque bazoko insister que mbongo wana photo pesa avance au moins na likolo ya ba $50 toza na mbote, est-ce que lundi bana ba kendo bia ba kende te? C'est ça la question. Oui. Maman, c'est pas Mingi, Ningue, Olungwe, Ndaku, Oye, Awa, pour voir que monsieur est allé. La ligne de l'Olongwa, Ningwana, Okepe, école, Okepe, classe, moi, la Tangara, Bosoro, la nation d'établissement. Oui, vous savez que, Ngaï, mon collègue, les trois, n'a pas été, mais moi, n'a pas été à l'école, Wana. Beaucoup de temps, n'a pas été à l'école.
Est-ce que vous avez un comité de parents? Tobakisi, Tobi, comité de parents, na, eko désigné batmo baza na conseil de gestion. Donc eko les a batouana. Chef d'établissement azara mosaleli. Omoni, chef d'établissement akosala oyo conseil de gestion eko loba. Bon soki conseil de gestion en réunion et ça les maraté. Soki ba parents assemblée générale soki ça les ba bengi ba parents baya raté. Mais chef d'établissement na osa ndenga lingi. Il y a un peu de lobby boy. Au moment où tu as mis calendrier scolaire, tu tiens la date, il y a une réunion, il y a l'Assemblée générale. Il y a l'autre lobby boy. À travers toute la République démocratique du Congo, dimanche 14 octobre, au moment où, dimanche 14 octobre, ce que moi, nous attendons à l'école boy, beaucoup d'écoles, beaucoup discuter avec l'Italie qui est là. Omoni botaran boye ksa bango tolingi boy bino boko gere kola bana biso ndenge nini omoni pona o etikali biso to ebisi lobi omoni ki lobi lobi to saki réunion na mama ministre ya ville ya Kinshasa ya éducation na ba o nyoso sara na bango to zimi kano boy to bi ba koki ko benga na mwana na kelasi likolo ya mbongo te les trois mema mwana na kelasi oyo préfet oyo ko boya po mwana na kota disney de sabiso biso mo totala elo into sana ye mais to lobite que yosiko yo na école contact ezalate donc so ko fani nda ko mko musu so bibio ke chef d'établissement ko kuta na ye bosololi comme ça boko tia quand même moi climat moko bien oui tu sais que te ngai mama na za mama ma recher mikolo na te ka boye mikolo na te ki bien te na o te ka peut-être mikolo boye na romema mbongo pona scolarisation ya mwana nanga mukolo boye po awa ndenge boye bi na ville ya Kinshasa gratuité na to bandango te to bandango so bolingi a partir ya année scolaire 2013-2014 wana nde to banda gratuité na mbongo na nini ndenge concession na biso esengeli na nini yo na ville ya Kinshasa pona école primaire pour l'école primaire to loba ndenge nini ekosalema to bi te ke ba classe nyonso tout bon moi l'ambo comme ça tu bandaki trois premières années tu omatsa nicolas tu obaksa année moko moko leo siko to komi la 5e na bambo comme ça sauf Kinshasa na Lubumbashi donc année oyoya année scolaire oyoya c'est sûr que tu vous aurez peut-être la mesure en dingwana donc en résumé si vous permettez hein on profiter de la question à maman pour naib c'est que to kende que tout ça rassemblé je n'ai pas ça mi école les abino bano batanga avec colonne les abana na bino école les abino bo kende bo discutaka bo pona rapé batou hein bo pona rapé batou o ba go représenter bino sérieusement à niveau école ba défendre ba intérêt na bino bo tsa batmo te que so ba ke kuna ba komi ba associé ba collabo ya chef d'établissement ce que chef d'établissement bito kende bo ba so ba kei boy moi ba défendre intérêt ya ba botes a sousouté tu veux gagner maman. Papa. Toujours. Merci beaucoup, maman Angélique Senga. Maintenant, M. Sézali, d'autres questions dont, toujours sur ce thème. Je passe la parole à Madame Agnès Chico, troisième rangée ici. Madame Agnès Chico. Maman, au télémite, à la micro. Loba. Merci, papa ministre, pour la parole. Papa ngai motuna nanga ezali ya question pona kotala oyo ezoleka na mboka na ndenge bubungisi rentrée scolaire ya lundi ya le 3 de septembre. Papa nangai to lela pe to laksa hypocrisie ya maloba sans que toke na ba acte te République démocratique du Congo ezaka Kinshasa te eza munene to yebi ke na mopanzi moko biso ba congolais toza na indica parce que guerre eza na est. Sikoyo mokonzi ya kelasi ya primaire na mabisi na bitape nyonso ya Congo awo yozo pesa programme ya le 3 e bongo kuna na est bosi bobongisi to klasi yango ekozaka pona ba Congo bandundu na Kinshasa est bozuti yango na programme ya bana wana lobi pe baza pe batute
papa mutuna nanga ezala kibongo. Maman, merci mo mingi, si vous permettez. Allez-y. En tout cas, maman, c'est pas mingi, merci mingi à mutuna nao. Likamoya est, likamoya ba na biso ya Rutshuru, ya Masisi, ya Walikale, na Lubero, bamboka nyoso wana ezako tumisa biso mingi. À rentrer au salle, ma paix, pas la banque. Tout ça, la nion surtout, Boyoka peut-être, Mikolo Zoya, ce qui a été ton maman ministre, Tokendekuna. Pour tout coup, t'en a peine à la botte, n'est-ce pas, tout nabino awa, que là, si ezonga. Tout tient déjà disposition, toujours à disposition, nion surtout. Hein? Oh, que là, si ezonga paix, banana bakota paix, que là, si, n'est-ce pas, banana biswazotanga à Ramboka, Kinshasa. Kasi tozo, tozo, paix sa message. Naba oyo nyo sotu. Oba lingi kaka, nikolo nyo sotu. Biso to lingi mboka biso za kimia. Biso nyo sotu mboka na biso nyo sotu za kimia. Bana biso wakinde kelasi. To sa makambo biso to lingi. Bango wa lingi kako ya kotea biso mbulu. To senga bango batika kotea mbulu na kotea mboka na biso. Po biso bana biso wakinde kelasi. Lokola bana nyo sotu ya mokili. Ozoka. Wana ndeto go elogo na voye biso pona questiono ya mwana. Wana ba otango fele, otala kaka. Toko tala, ba oyo baza en déplacement. To identifié déjà, to compte déjà presque 85 000 élèves. O baza en déplacement. Baza ebele. 85 000, oyo baza na bandaku na bangote. Alo, ya mwana lobi, so kingaite, mama, ministre a rokende kuna na batu msusu, po to tala yo oni to rosa la pona bango. Mais si to tindak déjà message, po gouvernement provincial pe ezali. Merci papa. Mais vous connaissez pas la soda. Merci beaucoup madame. Gertrude Loutété avait une question dans ce sens. La maman, madame Gertrude Loutété, ici au milieu. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir maman. Question n'anga n'a posé le lopo na yo. Na ebite na Congo na biso awa soki tozo kumata na kotaka na biso ya kotanga ou bien tozo kokita pona za komona le nga na tanga na école primaire fi na ba secondaire na eba ki frère o papa la nga futa la nga na Minerval te et puis na tika la komona ta mukolo moko te ba bengani nga na classe bon na niveau ya betude nde ba baza kotanga o mona mwana tangi. Si il y a comme la sisi d'état, aibi ko tanga te, aibi ko koma lettre te. Est-ce que mboka la biso ezako mata ou bien ezako kita? Merci mingi mama. Pona motuna na yo, mama Gertrude. Mboka la biso ezako mata tu ezako kita. Une bonne question. Loba, une bonne question. Nga loba bwe ezako mata. Mwene biso leto za kokutana mingi na papa na ngai azobisa aro ebisa kaka bino bana mikolo botanga biente ozomona mingi mingi tokanisa kaka neti biso totanga koleka bao balandi biso ezaka mingi nengo na me mama lelo soko ju telefone pesi mwana na yo akosalela ngo koleka yo ozomona donc makambo evolution ezali muke 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 makambo ebele zo changer oyo ezaki liboso te kasi oyo etali. Et ça, solo. Vous n'avez pas convaincu, hein? Récemment, notre téléphone, on s'est dit que je suis un peu bête. Antoine, à mon âme. Quand Sosa a raison, c'est vrai que tu as l'exil micro, moi, Mingi, Bana, Biso, Bazaki, tu as repéré sa mon candidate, le manuel scolaire, tu as repéré sa bonté. Au moins, Pombongo, pauvreté, côté de la Kachamboka, aux autres, Lukaka, à moi, en d'acquis de classe, moi, je suis un peu bête, manuel scolaire, les acquittés. Si comme muke tozo kotsa ba manuel wana net mbulo yo tozu décision ce que moi non amemelio document to sa nyo surtout bon mikanda ngweza ngo certe na niveau ya primaire to kokabola ba manuel scolaire na bana nyo surtout banda première primaire te 6e d'ici 2013 to kokabola banani ba manuel scolaire kasi a partir ya première année secondaire tikuna to kopesa mikanda na metokoteka. Pour bana basa la bibliothèque scolaire comme ça de temps en temps ko tata bibliothèque ngo atanga to zu obligation bino peso bokei botuni chef d'établissement na bino au placement atanga ka est-ce que ça la bibliothèque scolaire et permettre moi na tanga
po awa nani namtatuni mbambi akanisi bande wa biso ya Nord Kivu mama chuma mama Shiko mama Anya Shiko mama Shiko abito kanisa pe batu msusu soto bimisi ba examen d'état le to bimsa to publia ba resultat examen d'état to mona ke ba lauréat mingi o bazwa ba pourcentage de belles ara Kinshasa bambo kamsusu za raté po kuna el msusu enseigner mona ko to livre dans aka ba note nae na ba erreur nyo soto a pe sa pe ba erreur na bana bana classe ya wana to sala tout pour que ba manuel scolaire wana za la partout dans toutes les écoles na ba prix moko eza ndé moko manuel soki eza na kinawa na Kinshasa eza 1000 francs. Il faut manuel les appels na malembankulu bien soki wapi ou bien na walungu soki wapi ezakaka même prix ozomola peut permettre pe bana na batanga niveau ezakaka ndenge moko à travers toute la république donc muke tozo sa nyo surtout po niveau mata c'est vrai que kitaki mesu ezomata muke merci. La prise en charge des enseignants par les parents inquiète beaucoup de gens qui sont dans la salle. Maman Ndungu Thérèse a demandé, a posé une question là-dessus. Maman Ndungu Thérèse. Merci, papa ministre. Motuna nanga ya lagi boye. Bana biso bazo kende classe. Likambo botia ya travail manuel. Bana basa su travail manuel te. Bansena fo basenga bango mbongo. Na place à travail manuel. Et puis, dans le Sénat, comment ce qui est l'anniversaire, il faut que tu aies un parent qui est enseigné au salon anniversaire. Il y a un peu comme moi, papa, tu es là. Et c'est le gouvernement qui a fait ça ou bien le gouvernement. Ah, très bonne question. Monsieur le ministre. Bon, merci, merci beaucoup, maman Thérèse. Le gouvernement a fait ça. Et c'est le gouvernement qui a fait ça. C'est le gouvernement qui a fait ça. Gouvernement moroté à côté de la basse à Mabé. On les a en béba, oyo, ce qui est Toyoki, Bakaya Boué, Tokozaba, mesure. Monifoko, tout permettre, ben, Bissobaye, Bapé, Missala Maboko. Ils avaient travaux manuels, mais il faut y aller, Bapé, Missala Maboko, ba jardin, et un consocolatan, ni, et là, si, qu'on tient propriété dans le cadre, il y a cours, il y a école, il y a école, il y a école, il faut ça, parce que, ils appellent formation, ils appellent pédagogie. Donc ce que mon enseignant de sa maman boue à sa yango mabe, moi la même lieu li commande mwana maman, kofananda kote koyoka ka mwana na lobite, telema pe malembe malembe, koma na epa ya chef d'établissement. Ce que mon dieu chef d'établissement là, il est pas à soutenir enseignant wana mata, kende, ce qui moi pèse ali, mon abisso, je crois que tu as la solution. Aujourd'hui, vous appelez maman dans la réponse là. Ah bien, au moins, il y a un peu. Au moins, il y a un peu de l'eau à l'obite, na yoki. Tous appellent à la collaborité, na biso mboka mbimba. Mais ceux qui peuvent, bon, pikini qui est allé au moins, na biso kakape, tous ont la décision. Eza beauté. Bon, banga, te. Eza ba ministre à karate, biso aux alindes pour na bino. So, bo boi, tous a te, tous l'ongwa. Donc, il faut de tous à bino, tous à bino, tous à au bolingi, pour tous à la au bino bolingi. Hein? Madame Charlotte Songa, Madame Charlotte, troisième rang ici, qui avait aussi une question, toujours sur ce niveau qui inquiète beaucoup de gens. Maman Loba. Papa, merci. Question dans les Zalaki Boui. Nazali Kotuna, Ngaï, Nazali Mwanaki Mwana Soda. Mais na yebite que papa Nangaï, soka zaro futa minaval, soka zaï kosombe la ngaba osombe ba livre, soka zaro pesa mbongo bakendo ko futa ko kopesa na ekol, papa somba ba livre, to basala nini, wala na itika ko mwana ngote. To banayi ko kende, men zaï kotanga bien, tozalaki na baba. Baba wana biso zaro benga ko pipitre. La pupitre, on a tous les quatre pupitres. Tout le monde est à la carte. Bazako tia, oncle la carte, n'a pas porté plume, n'a pas becker, n'a pas bivar, bazako tia. Mais moi, la sikoyo, à la sixième primaire, à Yébi, écriture, n'est-ce pas, Tali, m'a rappelé. Soko Tali, moi, n'a n'est pas, Soko Tanga. Oh, yé, moi, j'ai commis la classe. À Yébi, à Moti. Oui, à Yoto, y'a mouton sous moi. N'a pas, pour la moine, à peu, y'a n'a pas. Mais tu n'as pas à y aller.
sikoyo nde yango lokho na zontuna ba maître tang ba tozako kendeke class soki mwana kimi class ba koyana nda ba kotuna papa to mama ba kotuna ne mama mingi pa papa kene musala ba kotuna mama pona nini mwana ye class te pona na école hôpital ezala kikuna soki azali kobela akoyana class ibumesale pasi bato ebi ba firme bazala kikuna assistant zaki na kati école. Et j'ai dit, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Je suis Balivre zalaki, balivre nyoso zalaki. Nyoso, erna erre zana, livre nango baso pesa, bato ya balani. Ba kalkil, to zaki nga okende, denge wana. Mwena ki ma klasi zati, poso na ki mi klasi. Uniforme, na heba gine baso mga uniforme ti. Medre, abana iko, balako landa suvia, bana poda nini, baso kufuta bango bien, baso kulia bien. Soki ba yebi siyote, oyo mwase ya medre, doki yo mwona bando bangi. Melelo medre, akuma kutinda. Il est moral à ma tête, mais l'état qui nous a suivi à moi. N'entends pas, à qui fonde la parole. Moi, c'est à papa, à moi, le logo. Je vais donc qui m'a classé pour que nous m'a mis les kings. Alors, qui m'a fait pour nous dire que nous m'a mis les kings qui font la tangue à vie. Non, non, question, non. N'a pas ça, maman Charlotte, merci Mingi. Motuna Naeza, Eza Antina. C'est vrai que ce qui m'a fait classe à Ibiki, pour ne pas revenir là. Arolia, en tout cas, pèse à moi, nini. Moi, arotika la classe, mboula mobimba. C'est vrai, même maître ne peut arosala bien. Et ça, il y a un mot au Kanisa. Tu bandis déjà projet mobu, tout à l'heure, nini. Tu rozongi la maramaka, la nenge, maman ou tikoloba. Mais au Italie, Manuel, maman n'a pas insisté, Manuel et Zali. Tu côté déjà Manuel, n'a pas que là, si nous surtout, il y a Congo à niveau primaire, banda première primaire, ti quatrième, si tu rebaxes, ti sixième. Tu tiens Manuel Nyoso, ma Manuel en mathématiques, na français, et Zali. Il y a un autre Senga, bisous, tu assures, tu as la inspection, na ba enseignant, na ba chef d'établissement. Maman, ça, il s'agit de payer tout ça, inspection, na yo, na ndaku. Et qu'on permette de toutes les informations. Ce qui est au lobby, par exemple, dans la classe, non, c'est vrai, mais enseignant qui a dit, il y a un peu de manuel, alors qu'il est allé. Le manuel est allé. Tu as dit, tu es belé, tu es au Kabola. Si tu as un manuel, tu es là, tu es là. Pour que tu aies un manuel, tu es là, tu es parce que tu es belé. Tu as un manuel, tu es allé, mathématiques, français, tu es pour Ezali. Donc, il y a une inspection dans le monde, il y a une inspection côté aux Jiguats, aux Simbani, aux Rubeta, aux Robota, en tout cas, dans le monde, malam. Quand ils sont étalés, ils ont la santé, ils ont la colia, ils ont un projet, 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 ils Lobby, au moins, on a marre de et on a changé. Monsieur Mbia, béni l'enseignement obligatoire pour tous les enfants. Monsieur. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Moi, c'est Mbia, béni. Je vais faire de toutes les questions précédentes une seule question. Monsieur le ministre, la force d'une nation réside dans la jeunesse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réserve. La preuve en est que vous, on vous a bien formé, vous avez été bien formé pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et le demain de la jeunesse d'aujourd'hui, comment vous les cadrez? Il n'y a pas de réserve. Les enfants sont mal formés. Nos diplômes ne sont pas valorisés à l'étranger, partout. Avant, un diplômé d'État, c'était un homme respecté. Et aujourd'hui, un diplômé d'État n'est pas un homme respecté. Puisque à la veille des examens d'État, le promoteur distribue le fruit aux enfants, aux élèves. Et l'élève sait que quand il va aller étudier, quand il va aller présenter son examen d'État, il va réussir facilement parce que son promoteur avait corrompu. C'est ça un peu. Et la gratuité pour la gratuité. Et les enfants dans la rue, ils sont dans la rue. Ça fait beaucoup, beaucoup de questions parce que vraiment, ils posent des questions assez importantes. Laissez, j'aimerais répondre à ça quand vous.
vous allez vraiment d'une manière diffuse comme ça. Je ne saurais pas avoir beaucoup de temps pour vous dire ce que j'ai donc posé une question. Si vous parlez de la gratuité, oui. Si vous pensez que la formation n'est pas bonne, nos diplômes ne sont pas valorisés, ok, alors à ce moment-là, je peux vous répondre. Répondez alors à cette première partie de sa question. Ok, merci beaucoup. J'aimerais vraiment vous demander de ne pas vous faire une auto-flagellation. Hein, il faut pas. On a souvent tendance à croire que nous, sous Arabes, à Balessek, sous Arabes, à Souka, et pas à Bissou Simbara, mais on a Bissou Zara bien. Mais Bima Mouke, au comparé, Bambo Kamsous, au moins, tout ça, à Souka, un ministre avait demandé, d'un pays africain, je ne veux pas le citer, avait demandé qu'on fasse une évaluation de son système éducatif. Les experts sont venus, ils ont fait l'évaluation de leur système éducatif. Il fallait qu'ils donnent les résultats. Et les résultats, quand ils terminent cette analyse, ils les montrent devant tout le monde, les députés, les ministres, tout le monde. Je vous dis que ce jour-là, j'ai appris que ces ministres ne voulaient pas qu'on vienne faire la restitution des analyses qui ont été faites du système éducatif de ces pays-là. Vous comprenez? Ce ministre a refusé parce que les résultats étaient très très mauvais, d'après lui. Alors nous, avec notre délégation qui était là, nous avons dit non, nous allons prendre le courage d'inviter ces gens pour venir évaluer notre système éducatif. À ce moment-là, on saura quand même que nous partons d'un niveau zéro. Voilà, nous saurons que nous sommes à moins 1000 ou à quoi. Et on va voir, maintenant on va évaluer les efforts que nous entreprenons pour voir si on s'améliore ou on ne s'améliore pas. Nous avons fait venir, nous avons pris le courage d'inviter ces gens-là. Ils sont venus ici il y a, je crois, 2 ans. Ils sont venus, ils ont fait une évaluation. C'est curieux. Ils ont pris quelques provinces et ils prennent un échantillon. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas allés dans des meilleures écoles. Parce qu'ils étaient même en province. Les résultats qu'ils ont donnés de notre système éducatif, ils ont trouvé qu'en Afrique, en Afrique francophone, nous étions dans l'équipe de tête. Oui. Ils ont dit ça, ils ont trouvé que, en tout cas, la RDC est parmi les bons. Alors, vous êtes toujours, on pense toujours que non, nous, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, il y a quand même des efforts qui sont faits, mais nous devons nous tous contribuer à ce que ces efforts soient consolidés. C'est vrai qu'il y a des ratés. Je ne peux pas dire que non, tout baigne dans l'huile. Non, il y a des ratés. Mais il faut que tous ensemble, nous nous mettions autour d'une table pour que nous essayions de faire marcher les choses. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait encore un autre déplacement. J'étais en Afrique du Sud. Si vous allez négocier avec les imprimeurs pour voir comment on peut avoir le manuel pour nos écoles. Alors pendant que nous étions là avec les imprimeurs, il y a un qui va venir, c'était une dame sud-africaine qui n'a jamais mis ses pieds ici. On va lui dire non, voilà, celui-là c'est un ministre, c'est le ministre de l'enseignement primaire de la RDC. La femme s'est approchée de moi pour me dire, mais qu'est-ce que vous faites pour vos enfants quand ils arrivent ici, ils brillent? On nous dit toujours que le Congo, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est des témoignages. Qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants brillent? J'ai dit, bon, peut-être on a un programme qui est beaucoup apprécié. Le Congo est le seul pays en Afrique qui a des écoles en dehors de ses frontières et beaucoup apprécié. Alors, nous sommes là en train de nous flageller. Quand nous faisons l'examen d'État ici, au même moment, à la même heure, le même examen d'État se déroule en Angola, à Kigali, au Burundi, en Zambie, en Angola, en Tanzanie, au même moment. Et là, vous avez les enfants, parfois, tanzaniens et autres, qui fréquentent nos écoles. Donc nous avons quand même un bon sens. Nous avons connu ces vrais problèmes. Nous devons nous mettre autour du tas pour voir comment nous pouvons améliorer. Et c'est pourquoi nous disons, mettons l'accent sur, revoyons quand même notre programme pour colmater les brèches. Mettons l'accent sur les manuels scolaires. Parce que ces enfants ne viennent pas de l'ensemble du pays. C'est peut-être les enfants qui sont seulement à Kinshasa ou dans certains centres urbains. Il faut que nous avons étudié. Moi, je n'ai pas étudié dans un milieu urbain. C'était à l'internat, dans un village.
Mais le niveau qu'on a eu n'était pas différent de celui que les gens ont eu à Kinshasa ou ailleurs, parce que les niveaux, les manuels, on utilisait les mêmes manuels scolaires. Donc ce sont des choses comme ça que nous devons, sur lesquelles nous devons mettre l'accent pour que nous arrivions à avoir un bon niveau sur l'ensemble du pays. Je vous demande vraiment, cher ami Béni, que nous évitions l'autoflagellation. Nous avons un système qui pose problème. Nous avons des petits problèmes, c'est vrai. Il faut qu'on les pose, mais qu'on ne pense pas que ça ne va vraiment pas. Ça va quand même. Les problèmes dont vous avez parlé, parce que j'entends ça souvent, les chefs d'établissement qui vendent les copies, à chaque année, on apprend des choses comme ça. Mais parfois, quand vous voyez les résultats qui sortent, vous voyez les enfants qui sont dans la rue. Mais vous ne voyez pas combien d'enfants viennent aussi nous consulter pour dire pourquoi nous avons échoué. Vous ne voyez pas le nombre de gens qui viennent nous voir pour nous dire comment nous avons échoué. Toutes ces écoles, ne vous en faites pas. Nous sommes informés à tel niveau, voilà un chef d'établissement qui est en train de faire ceci, un chef d'établissement est en train de faire... C'est juste de l'arnaque, ils arnaquent les parents. Et comme les parents sont faibles parfois, le gouverneur de province a dit pour, la passation des épreuves de l'examen d'État, c'est X montant. Au lieu de suivre ces montants, l'enfant vient vous dire non, Basenginga Imbongo Boye, offrez des suivis. Et vous prenez l'argent de votre poche, vous donnez. Parce que vous tenez à ce que votre enfant ait un diplôme. Mais il va là-bas, il est arnaqué. Il est arnaqué. Pour la plupart, laissez cet enfant étudier, aller à l'école, vous allez voir le résultat. On a compris que les enfants qui ne s'occupent même pas de ces histoires-là, qui étudient normalement, en tout cas, ils font des bons points et ils réussissent. Deuxième partie de votre question, exceptionnellement. Ma deuxième question, je vais parler sur les enfants de la rue. On doit se poser une question. Est-ce qu'il faut étudier pour réussir? Moi, j'ai dit oui. Mais il y a des enfants dans la rue qui vendent de l'eau. Et des enfants dans la rue, qu'on appelle communément les Chege, qui sont dans la rue pour la simple raison qu'ils n'ont pas de quoi se scolariser. Est-ce qu'on ne peut pas rendre réelle cette vision du chef de l'État sur la gratuité scolaire, que ça devienne évident? Je crois que je vous ai donné une réponse. Je vous ai dit que il faut, quand vous examinez ce genre de problème, l'État ne se plaint pas. Il ne faut pas qu'on prenne une mesure après qu'on se retrouve pour regretter parce que pourquoi on l'a prise dans la précipitation. C'est pourquoi je vous ai dit que, après l'expérience qui a été examinée ailleurs, on a dit on y va petit à petit. Et je vous ai donné un échéancier. Je vous ai dit que non, là, en tout cas, l'année prochaine, vous aurez au moins une réponse. Là, nous vous le promettons. Le gouvernement va prendre une mesure pour la gratuité l'année prochaine pour la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Et à ce moment-là, c'est vrai, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer dans notre système tous ces enfants qui ne vont pas à l'école parce que les parents ont des difficultés pour payer les frais scolaires. Tous ces enfants sont souvent à la maison. Il n'y a pas que le problème des frais scolaires. Il y a un film qui passe à Venise. Vous avez suivi, on en a parlé aujourd'hui, sur les enfants... Les problèmes de la sorcellerie, c'est que ce n'est pas un problème de frais, c'est un problème de sorcellerie. Donc ça devient autre chose. Donc on peut prendre un petit enfant, on dit non, cet enfant est devenu sorcier. Donc il y a parfois des phénomènes de société qui font que les enfants ne vont pas à l'école. Donc il ne faut pas tout centrer sur les problèmes de frais scolaires. Il y a aussi le comportement de nous, les adultes, qui fait que, bon, finalement, on met les enfants en dehors de l'école. Imaginez un peu, vous suivez chaque enfant, votre enfant, dès qu'il rentre, votre jeune frère, montrez-moi vos notes, chaque jour, vous allez voir quel effet ça va donner. Cet enfant, il le rappelle, il dira, non, chaque fois quand je rentre à la maison, noko bien deko, il va me demander les notes. Voilà, et il va être assez regardant et il sera tout le temps... C'est une manière aussi de le retenir à l'école. Et puis qu'on enlève cette histoire d'incriminer les jeunes, les petits-enfants en disant que non, ce sont des sorciers ou quoi. Non, c'est pas possible qu'un enfant fasse des choses comme ça. Mais ce sont des choses qui font que finalement, certains enfants sont en dehors du foyer, sont dans la rue. Donc il ne faut pas centrer ça seulement sur le problème de frais scolaires. Eric Kisenda a une question aussi dans ce sens-là. Monsieur, vous êtes ici au milieu, le micro va arriver. Posez votre question. Merci. Allez-y. Merci beaucoup. Le micro. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Et 5 ans passés avec le ministre Makia Mwangu,
pour inaugurer une école ou l'ouverture de l'année, c'est ma Lupio Gombe. N'a jamais été ici une sous pour l'ouverture de l'année scolaire. Ça c'est passé. Et, 5 ans avec monsieur le ministre. Nous avons les inspecteurs. Au moment où il y a examen d'État, monsieur le ministre, il y a des écoles publiques, privées, qui donnent 3 000 $ et publiques 2 500 $ pour l'examen d'État. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau des écoles ou bien vous n'êtes pas au courant de ça? 5 ans passés et quelques mois que vous avez déjà consommé. Cette histoire s'effondre dans les écoles. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup, Eric. Non, c'est vrai, c'est faux quand vous dites que je n'ai jamais été à Kisenso. Je vais vous dire une chose, on fréquente beaucoup les écoles sans caméra, beaucoup. On visite beaucoup d'écoles sans caméra et on les fait souvent à l'improviste. On descend comme ça, à Ndjili, à Massina, à l'improviste. Non. À Massina, Ndjili, partout, peut-être pas Kisenso, mais Matete ailleurs, à l'improviste. Kisenso. On est allé inaugurer 2 écoles à Kisenso. Voilà. Donc, il y a des écoles que nous visitons sans caméra, parce que nous pensons que la mission que nous avons, elle est beaucoup plus pédagogique. Elle est beaucoup plus pour apprendre. Hein? Alors, quand nous allons, nous descendons souvent avec un inspecteur, à l'improviste. Nous arrivons dans une école, nous voyons comment est situé le bureau du directeur, les chefs d'établissement, comment se comportent les enfants, comment ils font, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais quand même mettre un bémol sur votre préoccupation. Mais sa question, monsieur le ministre, ce n'était pas ça. La question, c'était que vous effectuez la rentrée, c'est pour la rentrée, hein. C'était lors de la rentrée, la première journée. C'est là où vous allez seulement au Lupio, dans les bonnes écoles. On n'a jamais, en tout cas, nous n'avons jamais fait une rentrée scolaire à Lupio. Je n'ai jamais fait. À l'Athénée non plus. Je n'ai jamais été à l'Athénée. Continuez. Je n'ai jamais lancé la rentrée scolaire à l'Athénée de la Gombe. Donnez-lui le micro. Hein? Vous avez vu le ministre où alors? Ma question, non. On n'a jamais. Non, le problème, ce n'est pas lancer la rentrée scolaire. Nous étions, l'année passée, on était jusqu'à Lumumba. Non, Lumumba. Ou Lumumba, oui. On était au niveau de. Vous dites qu'il n'y a pas de caméra qui s'y insomme. Non, là, on n'est pas là. Non, j'ai dit ceci. Je ne veux pas. La rentrée scolaire, c'est un problème. Oui. Hein, vous avez dit la rentrée scolaire. C'est pourquoi je vous dis, on n'a jamais fait la rentrée scolaire à Lupio. Vous avez cité Athénée. On n'a jamais été là pour faire la rentrée scolaire. Mais ce que je vous ai dit avant, c'était que nous visitons les écoles souvent à l'improviste sans caméra. Et on le fait régulièrement, les chefs d'établissement. Certains chefs d'établissement le savent et peuvent le témoigner. On descend, je vais souvent accompagner des inspecteurs. On descend dans une salle de classe et on voit comment l'enseignant est en train de donner cours. Après, nous tenons directement une réunion pédagogique avec le chef d'établissement et l'enseignant. On lui fait certaines remarques, on essaie de suivre si cet enseignant peut s'améliorer ou pas. On le fait. Alors, il ne faut pas dire aux téléspectateurs qu'on ne visite pas qui sait ce n'est pas vrai. Alors, pour ce que vous avez dit en ce qui concerne les inspecteurs, ce sont les informations que nous apprenons. Mais à un arnaqueur, si vous êtes victime, vous tombez dans ça, oui. Je vous dis les choses telles que ça s'est fait, il est assez compliqué, vraiment. Ils ne savent pas comment ça s'est fait. Nous avons les inspecteurs, nous avons un noyau d'une cinquantaine de personnes qui corrigent juste pour voir comment les machines fonctionnent. C'est tout. Donc il peut prendre l'argent de ces gens, mais il ne saura pas atteindre les résultats. Voilà. Il ne saura pas atteindre les résultats. Très bien. On va vers la fin de cette émission. On va donner la parole à M. Germain Ibaka, qui vient de la commune de Matete, qui est là, premier rang. M. Germain Ibaka. Merci Gilles pour la parole. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher. Ma préoccupation, vraiment, je voudrais d'abord savoir ce que les gouvernements entendent par la gratuité. Pour nous, parents que nous sommes, la gratuité pour nous, c'est élaguer ce que nous appelons la motivation. Le minerval. Suggestion, garder le minerval.
Les minéra, c'est en quelque sorte une taxe. On ne peut pas élaguer une taxe dans un pays. Gardez plutôt les minéra, parce que ça ne pèse pas. C'est 15 000 francs à peu près ou 20 000. Élaguer plutôt la motivation. C'est là où nous allons c'est 15 000 comprendre... francs. Pardon? Les minéra, c'est 15 000 francs. Les minéraux, c'est 50 et 100 francs. 50 ou 100 francs. 50 okay. pour le primaire et peut-être 100 pour... Merci beaucoup pour le correctif. Merci beaucoup. C'est ça le frère. Quand on sait que ce qu'on m'a dit, Barbie Minerval, et Zarawana, 50 ou 100 francs. Oh, monsieur, soyez à la frais scolaire. Voilà. Merci beaucoup pour le correctif. Notre problème, c'est de la maman, on a Minerval, on a lobby, et ça technique. On a Biso, pour la Biso, on a EPSP. On va bien à Minerval, et ça 50 na 100 francs, et Sili. Nambon, on va foutre à Pona Sonas, et Sili. Omoni, bambon, on va foutre à la frais scolaire. C'est-à-dire, la frais scolaire, ba Minerval, on va payer Zalara. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bon, comprendre, c'est quoi, hein? Si moi je comprends bien, monsieur le ministre. C'est-à-dire, avec tout ça, ça nous amène à une bagatelle de 15 000 à peu près. Mais notre préoccupation, c'est d'élaguer la motivation. Qu'est-ce que vous entendez par la gratuité? Parce que pour nous, parents, la gratuité, c'est élaguer la motivation. Les 100 $, les 200 $ que nous donnons maintenant aux enseignants. Qu'est-ce que vous entendez par la gratuité? Ça, c'est d'abord la première préoccupation. La seconde, pour ce qui est de la rentrée scolaire, quand vous établissez maintenant les calendriers, est-ce que vous tenez compte à quelle période il faudrait maintenant balancer ces calendriers? Parce que nous croyons que c'est comme si, quand vous faites ça, vous ne tenez même pas compte, est-ce que les parents ont été payés? Les parents ont quoi entre leurs mains? Et si vous payez les parents juste 2-3 jours avant la rentrée, vous voyez ce que ça fait comme afflux au marché? C'est là où on connaît trop de vols. Veillez comme suggestion. Si on peut payer les parents même 2 semaines avant pour préparer cette rentrée scolaire, ce serait mieux. Mais vraiment, qu'est-ce que le gouvernement entend par la gratuité? Et comment est-ce que vous établissez ces calendriers sans pour autant tenir compte de ce que les parents ont comme quelque chose entre leurs mains? Merci le ministre de répondre. Merci à vous, Germain Ibaka. Merci beaucoup, cher ami Germain. Pas gratuité. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas pris la mesure de la gratuité par un coup de tête. Non. Beaucoup de réflexions ont été menées et j'ai parlé de ce voyage que le président de la République nous a demandé d'effectuer dans ces 3 pays, comme je viens de le dire. Et quand nous sommes venus, on a déployé les gens à travers la République pour voir pourquoi beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Voilà. Alors là, la cause essentielle, c'est le problème des frais scolaires. On a dit maintenant, on examine ces frais scolaires. Qu'est-ce qu'il y a dans les frais scolaires? Et dans les frais scolaires, on a éclaté les frais scolaires. Il y a tout ce que vous appelez frais de motivation, qui constituent, vous avez raison, presque 70% des frais que les parents payent à l'école. Vous avez les minervales, je vous ai dit, c'est 120. Vous avez les titres pour les bulletins et autres, les cartes scolaires. Et vous avez tout un tas de trucs. Donc nous avons éclaté tout ça. Et nous avons dit ceci. Pour nous, la gratuité, c'est annuler, supprimer tout ce qui est frais scolaires. Tout. Même les minervales, tout. Donc l'enfant va à l'école. Et dans les pays, dans les provinces où cela est déjà fait, l'enfant va à l'école juste avec son cartable. C'est comme ça. Et c'est réel. Nous disons frais scolaires, on annule tout. L'enfant va à l'école, il est inscrit, c'est son intelligence qui va faire qu'il peut passer des classes, c'est tout, il ne paye rien. Les parents s'occupent de ses manuels, payent les. Maintenant même les manuels, nous allons les donner, mais il a son cartable, l'uniforme, et si l'enfant est malade, les parents peuvent prendre en charge ses soins. Mais en tout cas, ce qui concerne les frais, ça c'est laissé à la disposition de l'État. C'est ça la gratuité. C'est comme ça que nous appelons la gratuité. Et la loi qui est au niveau du Sénat, qui pourra être promulguée bientôt par le président de la République, donne la définition de la gratuité. Voilà, donne la définition de la gratuité. Il y a les frais dont vous parlez de motivation, c'est dans les frais scolaires. Je vous ai dit qu'on a éclaté les frais scolaires. Vous avez les frais de gestion. Il y a des pourcentages qu'on donnait aux gestionnaires. Tout ça, on a ramassé. On dit l'enfant ne paye rien. C'est ça la gratuité. Donc,
nous avons mis l'accent sur les frais scolaires. Il y a certains parents qui pensent que bon, pour nous la gratuité, l'enfant vient comme ça, on doit lui acheter aussi les uniformes et autres. Non, nous nous disons, nous ne prenons que les frais scolaires. Prenez ça comme ça, quand on va lancer les frais scolaires dans la ville de Kinshasa, vous verrez ce que c'est la gratuité. Vous avez compris. À ce qui concerne les calendriers scolaires, ces calendriers, nous sortons les calendriers avant la clôture de l'année scolaire. Chaque année, et ça, c'est pour permettre au chef d'établissement de donner ce qu'on appelle les billets de vacances aux enfants, en leur disant, non, voilà, la rentrée scolaire, c'est telle date. C'est à partir d'un document que nous, pour cette année, c'est sorti, vous avez la signature là, c'est sorti le 4 juin. 4 juin, donc, pour que chaque chef d'établissement prépare les bulletins, les billets de vacances. Ils disent à l'enfant, rentrée scolaire aux Amkoboui. C'était déjà connu avant que les enfants n'aillent en vacances. Avant que les enfants aillent en vacances, la date du 3 juillet était déjà connue. Et cette date, nous ne la fixons pas comme ça. Nous fixons la date d'une manière consensuelle. Nous nous retrouvons avec les représentants des parents, les représentants des enseignants et les gestionnaires. Et nous disons, voilà, nous devons faire tout pour que l'enfant passe à l'école. Pour l'école, la maternelle, c'est 188 jours, je crois. L'enfant, la maternelle, doit passer 188 jours à l'école. Au niveau primaire, c'est 220 jours. L'enfant doit passer 220 jours à l'école. Et l'école, au niveau l'école secondaire, 222 jours. C'est sur base de ça. Maintenant, nous avons le nombre de jours. Nous avons le nombre de jours. À partir de ce nombre de jours, on dit, bon voilà, la rentrée, c'est le premier lundi du mois de septembre. C'est telle date. La clôture, c'est le 2 juillet. Et on commence à jouer là-dedans pour leur donner les vacances, pour leur donner les congés de détente et autres. Les périodes, première période et tout ça. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, donc, quand l'enfant est venu à la clôture de l'année scolaire, il faut déjà penser à la rentrée, directement. Et nous, cette fois-ci, nous avons dit, souvent, nous allons trouver Papa Germain, peut-être qu'il n'a pas suivi la télé. On a commencé avec les concours de nos amis de Télé 50 et d'autres chaînes de télévision. Vous voyez, il y avait une bande passante. Nous avons décidé que non, qu'on dise aux parents, au moins chaque jour, bande passante, ils ont les cas. Le 3 septembre, rentrée scolaire. Le 3 septembre, rentrée scolaire. Le 3, c'est presque un mois. Pour dire aux parents, et nous-mêmes, on a commencé à communiquer. Le 3 septembre, rentrée scolaire. Ce qui doit changer, si on change, il faut tout perturber. C'est-à-dire, la clôture de l'année scolaire ne sera plus le 2 juillet, et les enfants ne vont pas avoir 2 mois de vacances. C'est très important que les enfants aient 2 mois. Il ne faut pas réduire ce temps. Parce que si vous réduisez ce temps de vacances, les enfants ne seront pas prêts pour aborder l'année scolaire. Ça, c'est psychologique. Donc, nous devons tenir compte de tout ça. C'est pourquoi nous avons dit, nous, le 3 juillet, rentrée scolaire. Les enfants vont à l'école. 3 septembre, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Le 3 septembre, rentrée scolaire. Et nous avons commencé à le dire depuis, ça c'est un document, si vous voulez, que je peux vous donner, le 4 juin. Le 4 juin. Et nous avons décidé, nous avons même dit, les jours que les enfants allaient en vacances, tous les chefs d'établissement savaient que la rentrée scolaire, c'est le 3 juin. Le 3 septembre. Commencez à vous préparer. Parce que c'est pas la veille de quelque chose. Je sais que nous, vous avez suivi, quand on a commencé les problèmes d'élection, le 28 novembre, tout le monde voulait, non, prolonger. Non, 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 nous ne sommes pas prêts. On n'a jamais été prêts. Alors quand on n'est pas prêt, vous voulez, bon, alors ça devient aléatoire. Nous devons aller avec des normes. Nous devons savoir, c'est la discipline. Nous devons dire, bon, le 3 septembre, c'est la rentrée. Le 28 novembre, élection. Tel jour, à la... Voilà. C'est comme ça que tous les pays du monde fonctionnent. Aux États-Unis, les élections, c'est quand? 4 novembre. C'est connu depuis des siècles. Il n'y a pas, non, 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 je ne suis pas prêt, on repousse un peu ou on avance. Non. Donc, vous devez nous aider. Les restes, bon, les enfants, nous prenons des mesures, nous comprenons les difficultés qu'ont les ménages pour amener les enfants à l'école. C'est pourquoi nous disons, bon, on reçoit les enfants. Mais recevoir les enfants ne désengage pas les parents. Il ne faut pas considérer que c'est un désengagement des parents. Vous devez continuer le dialogue avec l'école, au niveau de l'Assemblée générale, au niveau du comité de gestion, pour que, bon, dans les problèmes de frais, comment vous allez faire? Parce que nulle part au monde, l'école secondaire, il n'y a pas, on ne paye pas l'école. Ce n'est pas possible.
Maintenant, le coût, est-ce que c'est peu, c'est grand, ça dépend. C'est vous maintenant, dans les débats, dans les discussions que vous allez avoir avec les autres parents et avec le chef d'établissement. C'est profond ce que vous venez de dire, ça aurait pu être votre dernier mot. Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un autre mot à ajouter? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez pour parler vraiment. C'est la première émission. Je ne savais pas en venant ici que j'allais vraiment dialoguer directement avec les parents comme ça. Ça nous a beaucoup édifiés. Nous tenons à vous remercier pour ça. Nous voulons vraiment avoir une pensée pour nos enfants du Nord qui vous... Je remercie, c'était maman Ange Chuma, c'est ça, hein? C'est maman Agnès qui a parlé de nos frères, de nos enfants qui sont en déplacement. On a dénombré presque 85 000 enfants qui sont en déplacement, qui ne sont pas dans leur ménage, dans leur maison, et qui doivent aussi, comme nous, ici à Kinshasa, aller à l'école. Nous devons vraiment tout faire pour que ces enfants aillent à l'école comme tous les autres enfants. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous ces faiseurs de guerre que nous n'en avons pas besoin. Nous avons un leadership du président de la République, Joseph Kabila. Nous nous sommes derrière lui pour que, en tout cas, la paix et l'intégrité du territoire soient préservées. La deuxième chose que j'aimerais demander, c'est à tous ces enfants qui, pour la première fois, vont rentrer à l'école le 3 septembre, pour la première fois, au Bana et à première année primaire, au Bakotamba et à Liboso. Alors nous demandons à ce que les parents qui les amènent soient contents. Moi, dans les lots, on a dit une forme à Sika, à Kende. Dans la pauvreté, oui, nous avons grandi comme ça. Ce n'est pas que nous ma papa, na classe. Et ça, le problème est que moi, na mona que maman a ne sengo. Nous avons discuté avec nos amis syndicalistes pour qu'eux aussi soient contents de recevoir ces enfants le 3 septembre. Il faut beaucoup plus penser à ces contacts que les enfants vont avoir le premier jour avec l'école. Si le contact n'est pas bon, on risque de frustrer ces enfants pendant une longue période. Alors, faisons de sorte que ces 2 500 enfants nouveaux qui entrent à l'école, et rentrent à l'école avec joie, avec plaisir. En notre cas, nous leur souhaitons bon retour. Bonne rentrée scolaire, le 3 septembre 2012. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Monsieur Maker Mangou. Merci parce que vous étiez accompagné par votre vice-ministre, Son Excellence Madame Maggie Roy Gabouba. Fin de cette confrontation inédite entre la population et le ministre de l'enseignement. Échange. Entre le ministre et la population congolaise, une confrontation qui s'est déroulée sur un temps. Ah, un échange. Sur un temps franc, sincère. Vous avez vu, le peuple s'est exprimé librement, avec une certaine liberté de ton. Le ministre a répondu, je le pense, avec précision et de manière abondante. Cette émission sera diffusée sur une dizaine de chaînes de télévision et les meilleurs extraits de cette émission seront dans la presse, le quotidien, en tout cas la prospérité, lundi. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien évidemment pour un autre rendez-vous, grand rendez-vous, très prochainement. À bientôt. Au revoir. J'ai beaucoup apprécié. Je suis très content j'ai compris que les parents sont vraiment soucieux de la formation de leurs enfants et nous partageons ces soucis avec eux. Et nous pensons que nous avons bien échangé et que le 3 septembre, ils vont emmener leurs enfants à l'école. Parce que bon, c'est un geste qui a un prix. Le prix est supporté par l'État, il est aussi supporté par les parents. Donc nous devons nous mettre ensemble pour la formation de nos enfants.